Pouf pouf YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Rust et non Rust, parce que sur la chatbox, les gars ils croyaient que j'allais jouer à Rust. Rust, R-E-U-S. J'ai relancé le jeu pour vous montrer la petite intro du début qui est juste super classe. C'est développé par Abbey Game, type gestion. C'est sorti le 16 mai 2013. Le jeu est sorti il y a pas un an, mais pratiquement. Il y a plus d'un an, ouais, il y a plus d'un an qu'il est sorti. Et je l'avais sur Steam depuis un moment, et voilà, j'y jouais pas, je me suis dit, ouais, bon, bref, c'est de la merde, on s'en fout. Et en fait, j'ai testé le jeu la dernière fois en stream un soir, et j'ai fait, waouh, le jeu est vraiment excellent, et c'est bizarre qu'il n'y ait pas beaucoup de monde qui joue, en plus, il vaut plus rien du tout, Russ. Le jeu vaut rien du tout, il vaut, je sais pas, peut-être 5€, une connerie comme ça, et encore, c'est même pas sûr. Moi, je l'ai eu dans un bundle, donc il m'a coûté 70 centimes. Rust, je vais vous dire combien il vaut. Rust, voilà, il est à 8€ sur un bundle, donc il y a vraiment moyen de l'avoir pas cher. Et donc, Rust est un God Game sur PC. En gros, on joue des dieux. Votre but va être de développer la vie sur la planète à l'aide de plusieurs dieux avec chacun leurs compétences. Vous aurez l'occasion de voir des peuples s'installer sur les terres, mais attention aux guerres que cela créera. Le jeu est en français, il n'y a pas de multi, dispo uniquement en ligne, dispo sur Mac également. Et on est parti. Alors, vous avez vu, bon, le menu, il est un peu dégueulasse, hein, on va pas se mentir, voilà. Mais, du moins, le truc de début est plutôt sympathique. Alors, on va charger la partie, ok, trop bien. Alors, nouvelle partie, on fait introduction, seconde, en avant. Donc, à noter qu'au début, on a l'intro à faire. En gros, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a trois gros dieux. Le dieu de la mer, le dieu des cailloux et le dieu des plantes. On est sur la terre qui est complètement dévastée, comme vous le voyez actuellement. Ça, c'est la terre. Voilà, ça, c'est la terre au début. La terre est complètement dévastée. Mais il y a donc nos trois dieux. Voilà. Alors, le dieu de la mer, le voilà, c'est un gros crabe. Le dieu de la des arbres, de la nature, c'est lui. Et donc, comment ça marche? Donc là, vous voyez, c'est désolé, il n'y a rien. Voilà, c'est de la terre, c'est bête et méchant, c'est même de la poussière, on va dire. Il n'y a rien du tout. Alors, pour donner vie à ça, tout simplement, il faut prendre, au début, le géant de l'eau, faire Q. C'est comme sur League of Legends, les gens. Exactement la même chose, ils ont des putains de pouvoirs de fou. Donc là, mon crabe... Voilà, pouf, il fout de l'eau. Et en faisant ça, eh ben, toutes les terres qui sont jusqu'ici, vous voyez, ce qui est un peu plus foncé, eh ben, là, ici, du coup, maintenant, la vie peut apparaître, parce qu'il y a de l'eau. Du coup, je prends mon singe et je lui dis, ok, eh ben là, tu me fais ton cul, comme sur League of Legends, tu me fais ton pouvoir, boum. Hop là, un coup de pied sur le sol, on est parti. Donc toi, tu viens là, tu viens ici, après, hop, voilà. Donc voilà, donc le géant des forêts, c'est ça parce qu'il s'appelle géant des forêts. Le géant des forêts a donc fait une petite parcelle. Je vais dire de venir ici aussi. Attendez, qu'est-ce qu'il me dit? Ouais, non, maintenant on va faire des arbres fruitiers. Donc hop, je lui dis, tu viens ici, tu fais un arbre fruitier. Pouf! Voilà, un arbre fruitier. Hop, donc là, c'est le début de la vie et le jeu est vraiment super joli. Donc là, vous voyez, il y a des gens qui arrivent parce qu'en fait, il y a de l'eau. Ce qui m'a permis de faire de la terre et ce qui a permis après de pouvoir faire des arbres fruitiers, donc de la bouffe, et du coup ça a attiré des gens. Alors, il est pas top, le dieu est mieux mais cher. Rust 2, pourquoi il y a un Rust 2? Rust 2. Non. Ou alors je sais pas de quoi vous parlez. Rah, mon dieu, je le sens pas trop. Oh mon dieu, c'est salaud là. Donc voilà, donc là. Il y a des petits gens qui sont arrivés, ils sont contents. Voilà. Voilà, ça c'est mon peuple. Ah, il y a une femme, on va la regarder, on va voir ce qu'elle fait. Ça c'est mon peuple. Voilà, alors, voilà, il est bien. Seulement, il a besoin de bouffe. Voilà, donc à côté de ça, le gros calamar là, je peux lui dire... tu vas me faire un autre océan là. Et toi... Le dieu là, tu me fais des arbres. Alors, on peut pas tous déplacer les uns à côté des autres. Voilà, hop, je le mets là. Et après, tu iras me faire ça là.
Voilà. Alors, quand j'appuie sur CTRL, ça switch au niveau des infos sur la Terre. Donc, en gros, j'ai un village de 3 personnes. Il y a 3 combattants. Il y a 25 cœurs et ils sont plutôt contents. Vous le voyez. Hop, je vous passe le dialogue. Donc là, vous voyez, ils sont plutôt contents. C'est la fête. Là, ça monte. Donc là, il y a 5 pommes. Là, il y a 5 pommes. Donc en tout, je fais 10 pommes. Et eux, ils en ont besoin que de 5. Donc pour le moment, ça va. Il n'y a pas de malnutrition. Et donc là, ils sont contents. Et là, c'est les arbres. Voilà, tout simplement. Alors, donc moi, bah, je continue ma petite installation. Hop. Voilà, parce que donc là, tout autour, c'est toujours de la poudre. Alors, essayez d'atteindre 9 de nourriture en récoltant... Ok, bon, alors, il faut que je refasse leur connerie, là. Donc, on va refaire une. Alors, donc là, le village s'appelle Firdam. Il y a 25 personnes. Prospérité, tout va bien. Aucune marque de guerre. Ils n'ont pas peur. Ils sont en paix. Et ils respectent les géants. Et pour le moment, il n'y a pas de danger. Donc, tout va bien. Voilà. Même s'il y a un gros singe de fou qui leur passe à côté de temps en temps, ils s'en battent un peu les cacahuètes. Essayez d'atteindre 9 de nourriture en utilisant la capacité un fruitier. Voilà. Un fruitier se recharge, comme sur League of Legends. On utilise un sort, faut attendre un petit peu. Toi, tu continues ta petite quête. Attends, là, j'ai de l'eau jusqu'où? Là, il y a de l'eau jusque-là. Donc, tu reviens ici. Voilà. Alors, donc, W, elle est bloquée. Non, parce qu'il faut que je prenne gros bazar, là. Fais-moi ce que je veux. Voilà, là. Hop, là. Donc, là, je lui dis, tu me refais des arbres fruitiers. Comme ça, ils vont pouvoir bouffer. Ils seront contents. Hop. Voilà. C'est bon. C'est fait. Parfait. Alors, là, vous me dites, c'est bien. Ils peuvent manger des pommes, des fruits, des oranges et tout. Mais comment qu'ils chassent? Comment qu'ils font? Eh bien, je vais vous montrer ça après. Parce qu'il se trouve que les animaux, c'est le gros scarabée mutant, là, qui... Comme un chat. Enfin, pour ceux qui ont des chats, vous avez peut-être déjà vu quand un chat, il appuie comme ça sur une couverture. Bah, l'autre, il fait pareil, sauf que l'autre, il trouve de l'eau. Voilà. Donc, du coup, lui, maintenant, il a un nouveau pouvoir. Animaux domestiques. Alors, ça, c'est pas mal, animaux domestiques, parce qu'en gros, maintenant, eh ben, je vais pouvoir placer des petits animaux. Donc le géant des océans, utiliser la capacité animaux domestiques. Grâce à ça, mon petit peuple là, eh ben, il va pouvoir se développer encore plus. Donc là, vous voyez, cette civilisation veut construire et entretenir une grange. Objectif, nourriture récoltée. Donc là, c'est au niveau de la bouffe. Donc pour le moment, il récolte de la bouffe et puis c'est très bien. Toi, tu vas continuer le développement. Voilà, tu vas me faire ça. Et donc... Le gros crabe, il se balade. Bon, alors, c'est des gros golems. Hein. Et heureusement que la Terre, elle ne fait pas 10 milliards de kilomètres parce que ça prendrait longtemps, vu qu'il marche tout doucement. Voilà, donc là, attention, transformation. Pouf. Voilà. Ça remet un petit peu de truc. Donc, toi, dans ce cas-là, ton truc, tu peux le faire là. Ou là. Voilà. Voilà. Alors là, attention. Comment sont nés les animaux? Et d'ailleurs, quand je les stream, ça me faisait penser à l'épisode de South Park où Monsieur Garrison explique aux enfants comment ils sont nés. Et comme quoi, il explique que c'est un poisson mutant, enfin un poisson handicapé qui avait des pattes, qui est sorti de l'eau et qui a enculé un écureuil. Et cet épisode me fait délirer à chaque fois que je le vois et ça me fait un peu penser à ça. Ça explique la vie. Donc là, vous voyez, on a fait des poissons. Voilà, donc là, il y a un bar... Il y a une scaridade, ok, donc j'imagine une sardine et ça a été très mal traduit. Donc là, lui, c'est de la bouffe et lui, c'est de la richesse. Voilà, c'est pas bien compliqué. Transmutation pensible avec un petit instinct. Le bar produit de la nourriture, ce sont des chasseurs de petites proies. Et la scaridae génère une petite quantité de richesse. La diversité aquatique leur permet de générer plus de richesse. Ok, pas mal. Alors, cela ne sera pas facile, heureusement, le géant des océans semble avoir grandi et a gagné une nouvelle capacité. Utiliser la capacité animaux domestiques du géant des océans. Ok, donc là, c'est ce qu'on vient de faire. Je crois qu'on peut aussi faire ça dans la forêt, si mes souvenirs sont bons, non? Non? Putain, si on peut le faire à côté. Je crois que je l'avais déjà fait à côté d'eux, en fait, je sais plus trop. Bon, donc voilà, donc là, hop, la magie, on met du poisson... Jusque-là, tout va bien. Le jeu est Rust, exactement. R-E-U-S. Donc,
Voilà, ça c'est bon, ça c'est bon. Alors, eux, ils voulaient me faire un truc. Ils en sont où? Ils en sont à 16 sur 20. Ok, et au niveau des... Donc là, vous voyez, j'appuie sur contrôle et je vois les ressources qui sont disponibles, en fait. J'appuie sur contrôle, donc là, il y a de la bouffe, il y a de la bouffe, il y a de la bouffe. En tout, la terre produit 32 de pommes. Voilà, de pommes, hein, on est d'accord, de bouffe. Eux, ils sont contents. Là, il y a des petits arbres à découper. Et donc là, maintenant, on a 16 soldats et tout ça. Alors, le projet Grange est terminé. Un ambassadeur veut vous rejoindre. Donc là, il y a un mec qui dit, salut, j'ai tué un loup. Alors qu'il n'y a pas de loup. D'accord, vous voyez, il a de la peau de loup sur lui, mais on est dans un monde où il n'y a pas encore de loup. Donc bref, on verra ça plus tard. Alors donc voilà, donc qu'est-ce que tu veux faire, mec? Qu'est-ce que je peux faire avec toi? Attendez. Genre des océans est là, ok, ça c'est bon, on l'a fait. Tu peux arrêter. Quoi, tu veux que je refasse des poulets encore? Non, et viens me faire un océan ici, toi, tu sais quoi, mec? Là, tu viens me faire ton océan. Voilà. Et toi, là, tu viens me refaire ta terre. Donc là, je suis en train de développer la terre, en fait. Vous voyez, ça fait... C'est un peu comme les continents, si vous voulez. Là, il y a l'Europe. Tac, les États-Unis. Enfin, l'Amérique. Tac, un peu d'eau, et ainsi de suite. Donc, du coup, au niveau de mes bons gens qui sont là. Qu'est-ce qui se passe? Alors, à noter que j'ai jamais été aussi loin dans le jeu. Maintenant, ils veulent des bananes et des poires. Ils sont bien compliqués, mes gens. Alors, là, j'ai une main qui tue. Qu'est-ce que je peux faire avec ça, les gens? On dirait pas qu'il se fait tuer par la fléchette, là. Alors, qu'est-ce qui se trame? Ok, je ravance le gros bazar. Toi. Tu continues à faire ce que tu sais faire. Fais-moi des poissons. Voilà. Alors, attendez. Le dieu, il arrive. On va aller voir le mec qui a de la peau de loup sur lui alors qu'il n'y a pas de loup. Voilà. Salut, c'est Dieu. Oh! Genre, le mec, on le prend sur nous, ouais. Ok, de suite, on voit les humains qui sont super simples. Bon, donc voilà, donc le mec, du coup, il est sur nous. Alors, sélectionnez les gens des océans, ensuite, à copier un modèle en bas de l'écran, cliquez sur une parcelle dans la forêt. Ok, depuis tout à l'heure, c'est ça qui bloque. Parce qu'en fait, j'aurais dû cliquer dans la forêt pour faire ma parcelle. Tu veux que je la fasse sous ma parcelle, mec? J'avais pas d'icône. Il n'y avait pas d'icône pour la faire là aussi. Attends, et dans les autres forêts? Utiliser la capacité animaux domestiques du géant des océans dans la forêt. Moi, je veux bien. Il y a un truc bizarre. Oh non, tu sais quoi? Fais-la là plutôt. Voilà, fais-moi ta capacité. Et là, boum! Et là, regardez ce qui vient de se créer. Des poules, des lapins. Des poules, des lapins. Alors, l'œuf ou la poule? Théorie assez intéressante. Eh ben, les deux, comme vous le voyez, il y a des poules et il y a des œufs. Donc, ils sont apparus en même temps, les gens. Voilà. Ça sert à rien de se compliquer la vie, ils sont apparus en même temps. Alors, cliquez sur la parcelle des poules. D'accord, maintenant, on va devoir gérer les poules. Super. Parfait. Comme si on n'était pas s'emmerder avec les humains. Alors, eux, ils veulent tout. Excellent, grâce à votre influence positive, les villageois ont décidé qu'un ambassadeur allait vous rejoindre. L'ambassadeur aimerait se loger sur l'épaule de vos géants afin d'augmenter leur puissance. Le mec, il se fait pas chier quand même, hein. Le mec, il se fait pas chier quand même. Et là, le dernier golem qui manquait, il manquait le golem Caillou, le géant des roches. Voilà, alors lui, c'est le gros. Essayez plutôt de ramasser cet ambassadeur sur le géant des roches. Ok. Alors, lui, le gros, va me chercher l'ambassadeur. Il vient ou pas? Alors, sélectionnez le géant des roches et cliquez sur le bouton droit de la souris pour l'infobulle. Voilà. Va me chercher l'ambassadeur. Mec, il se fait pas chier quand même, hein, l'ambassadeur.
Voilà quoi. Le mec, moi je suis un ambassadeur. Je veux monter sur les épaules de Dieu. Alors, hop, il arrive. Tac, il mange le garçon. Voilà. Alors, maintenant qu'il est sur ses épaules. Bien joué, l'esprit de l'ambassadeur a permis de débloquer une nouvelle capacité pour le géant des roches. Ok, donc c'est les humains qui donnent des capacités à Dieu. Ça marche. Sélectionnez la parcelle de Lagrange pour voir sa spécialisation. Les spécialisations sont une forme différente de symbiose. Cette spécialisation permet au village d'obtenir davantage de nourriture avec les minerais placés par le géant des roches. Ok, géant des roches. Truc. Spécialisation, minerais précieux. Hop là. Donc là, je lui dis, mec, sous terre, il y aura de l'or et du diamant comme sur Minecraft. Est-ce que ça va se voir? Waouh! Regardez-moi la petite faille qu'il y a eu. Voyez? Il y a un petit truc parce qu'en fait, en dessous, il y a une couche de minerai. C'est super joli en plus. C'est super joli. Le jeu est rust, exactement. Alors, ça c'est parfait. Excellent, la spécialisation du village permet d'obtenir plus de nourriture grâce à l'agate que vous avez créée. Ok, donc c'est de l'agate. Il a toujours de la vie. Le village a grandi et s'est largement développé depuis votre réveil. Mais vous sentez que la vie erre à votre surface. Cherchez un endroit où vous vous installez. Attends. Mais vous sentez que la vie erre à votre surface. Cherchez un endroit où s'installer. Ok. Créez un désert de 10 parcelles en utilisant la capacité ériger une montagne du géant des roches. Faites-le aussi loin que possible des forêts et des océans. Ok, mec, tu viens avec ta capacité de fou et tu m'ériges une montagne ici. Bam. Et ouais. Et ouais, alors toi tu peux rien faire. Toi tu peux rien faire non plus. C'est vraiment pas mal. Regardez-moi mon petit village là. Alors ils ont besoin de 39 de bouffe, maintenant de 40. La terre en fournit 47. Et ils ont besoin de 5 richesses et la terre en produit 8. Donc en fait, dans pas longtemps, ils seront un peu emmerdés, ils auront besoin de trucs en fait. Pourquoi tu crées pas des villages autre part? Parce que pour le moment, c'est un peu le tuto. Tu vois, donc tu peux pas faire ce que tu veux. Donc tu dois suivre un peu ce qu'il faut faire pour au moins apprendre les bases du jeu. Parce que même si ça a pas l'air bien compliqué, bon, si tu comprends pas que le verre, il faut le faire à côté de l'eau, bah déjà, tu feras rien du tout. Donc là, hop, ça nous explique que le début. Donc là, on fait un joli désert. Créer un désert de 10 parcelles. Putain, ils sont chiants avec leurs conneries là. Créer un désert de 10 parcelles en utilisant la capacité Érigée de montagne du rocher. Faites aussi loin possible. Ok, donc là maintenant on le fait là. Hop. J'espère qu'il y a assez. Attends, il y a combien là? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. Là, j'ai un désert de 10 parcelles. Ok. Ça marche, donc là c'est bon. Normalement, j'en ai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. C'est pas bon encore. Bon, on va faire le là. Mais là, il y en a 10. Hein. Ah, et le gaillard, il est toujours sur moi là, d'accord. Ok, le Messi. Tac, 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 tac. Comme c'est trop bien dessiné, avec les animations et tout. Voilà. J'imagine que là on est bon. Non? C'est quoi ce pouvoir? Ériger une montagne. Créer un désert de 10 parcelles à capacité ériger une montagne. Du géant des roches. Bah, c'est lui le géant des roches. On est d'accord? Faites-le aussi loin que possible des forêts. Et des océans, ouais, mais bon, moi le souci c'est que j'avais déjà commencé à construire un peu le reste, donc voilà quoi. Bon, on va faire la montagne ici. Alors, voilà. On dirait une boule dans Star Wars, la petite boule qu'on dépose. C'est plutôt sympathique. Tac. Voilà. Bah c'est bon là. Créer un désert de 10 parcelles. Mais c'est bon là. Tu vois pas ce que je peux faire de plus, non?
Roche complexe, aspect exotique, aspect noble. Oh putain, on peut faire des montagnes de fous furieux en fait. On peut vraiment modéliser la Terre comme on veut. Regardez là si je veux. Non. Ouais, non, là je suis déjà à fond. Moi, tiens, d'accord. Genre, faire ton truc là. Voilà, mon désert, il est bon là. Avec la terre violette là. Hop. Ah, 47 sur 47, 8 sur 8. Donc, j'imagine que dans pas longtemps, ils vont peut-être se bouffer. Alors. Tu y arrives ou pas? Ouais, y a un souci là. Sélectionnez les gens des montagnes et utilisez la capacité ériger une montagne en dehors de votre ville et loin des océans pour créer une montagne et un désert. Ouais, mais là il y a un océan parce que je l'avais déjà fait avant en fait. J'espère que j'ai pas tout niqué. Genre, t'as pas le droit de me faire ça, mec. Là il y a enfin un désert, mais depuis tout à l'heure je veux construire des déserts. Oh, t'as pas le droit de me faire ça. Comment on va faire un désert? Allez, défonce-moi tout. Merde. Ah si, c'est bon. Ça se propage. Vous voyez, le désert se propage un petit peu. Parfait. Bon, bon, on va raser ce lac. Et tant pis pour la bouffe. Les macros et tout, là. Cette source naturelle est un animal. Hop là, voilà ton désert, t'es content? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok. Il y en a 10 là, non? Non? Moi j'en vois 10. Par contre, c'est quoi cette vieille montagne toute pourrave là? Fais-moi une vraie montagne, enfin un vrai désert ici. Alors, désert, pas désert, montagne, pas de montagne, j'ai l'impression que c'est bon? C'est bon. Non, c'est pas bon. Il m'a fait encore son truc tout moche. Attends, on a désert. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, bon, tu sais quoi? On va devoir se rapprocher du village. Tant pis. Au pire, il... Genre... merde, comment qu'on fait? Non, tant pis, ouais, c'est moi qui ai un peu merdouillé parce qu'en fait, au lieu d'écouter le jeu... Oh mon dieu, regardez, il tape le gros. Au lieu d'écouter le jeu, en fait, je me suis amusé à construire des trucs. Vous voyez, comme j'ai fait. Et j'aurais peut-être pas dû... Oh putain, on est dans le brun. Non, on est dans la merde. Faites pas comme moi, allez pas trop vite dans le jeu, sinon vous serez bloqué. Genre, si je peux faire du minerai... On va tester au point où on en est. Bon, donc voilà, vous avez vu un peu le jeu. Rust, R-E-U-S. C'est dispo sur Steam. C'est sorti il y a une petite année. Et je l'ai installé la dernière fois. J'y ai joué et j'ai trouvé ça super sympa. Le fait qu'on puisse... que ce soit justement, comme disait JVC, un God Game. En gros, on joue Dieu. Alors, des jeux comme ça, il y en a 2-3. Hein. C'est pas le seul. Ouais, un God Game, c'est ça qu'ils appellent. Un God Game, on joue Dieu. En jeu comme ça que je connaissais sur... Il y avait sur PSP, c'était... Comment ça s'appelle, le jeu là? Pour ceux qui ont déjà joué, ils doivent voir ce que c'est. Je crois que c'était Parapapa, un truc comme ça. C'était un... Comment ça s'appelle? Loco, je sais pas quoi, non? Attends, sur PSP. PSP. Loco Roco. Voilà, ça s'appelait Loco Roco. Et non, c'était pas Loco Roco. Dans Loco Roco, c'était excellent, c'était pas ça. C'était l'autre jeu, un truc de... Même où il fallait jouer en rythme, patapon, 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 patapon,
Patapon, voilà, c'est ça. Patapon, parfait. C'était le jeu là. Et ben dans le jeu là, dans Patapon, c'était aussi un God Game. Parce qu'en fait, on était Dieu. Et bah, tout simplement, on devait faire de la musique pour faire avancer nos troupes en rythme. C'est un jeu excellent sur PSP d'ailleurs. Oh là là, quand je pense que c'est fini, la PSP, quelle belle époque. Et du coup, c'était un jeu sur PSP, c'était Patapon. Le jeu était excellent et c'était un God Game comme ce jeu où on joue Dieu. Et c'était un peu différent, hein. C'était surtout de la guerre dans Patapon. Mais c'est un peu le même délire, un God Game. Et je connais pas beaucoup de jeux comme ça qui nous permettent d'incarner des. Bah, Dieu. Même si Dieu, je le voyais pas trop comme ça. Mais enfin voilà, c'était plutôt sympathique. Rust, Reus, est dispo sur Steam. Et vous voyez, bon là, j'ai un peu merdouillé mon truc parce que bah, j'ai fait le con à faire des montagnes, des océans un peu partout. Mais il y a moyen de faire des trucs de fou furieux. Et surtout qu'on n'a encore rien découvert sur le jeu. Parce que vous voyez, au niveau des mecs. Eh ben, ils peuvent être en guerre, ils peuvent avoir peur. Là, ils respectent les gens, mais ils peuvent être aussi irrespectueux. Donc, il y a vraiment, enfin, je pense qu'il y a moyen vraiment de bien s'amuser. Donc, si jamais vous avez un peu de temps, un peu d'argent, ou peut-être que vous l'avez même déjà sur Steam et que vous n'avez jamais pensé à l'installer comme moi, bah, faites-le, parce que je vaux le coup d'œil. Voilà, les gens, c'était Russ. J'espère que ça vous a plu. On va se laisser là-dessus pour cette vidéo découverte et on va switcher de jeu. Oui, volo. Les gens, c'était un super, portez-vous bien. Tchou!